Allez. Putain, il fait sombre. Je vais m'allumer la lumière. Hyper sombre aujourd'hui. Hop. Je vous ferai ça, je ferai une photo où je peux contour, je peux faire le contour de ma tête facilement et puis comme ça, ça va le faire. Allez, il faut aller au chest. Et pas avec Tiny Planet, sachez-le. Bon symbole, comme ça. Bon bah écoute. Merci. Oh c'est vrai qu'il faut que je re-remplisse un peu la machine. Il doit y avoir zéro dans la machine. Logiquement il y a zéro. Bouche pour vous faire un truc comme ça, un truc avec le chapeau et puis je fais une tête comme ça. C'est cool, j'adore passer sur tes lives, Isaac. J'arrive encore à apprendre des choses. Ben, merci. Oui, ça va, je suis en forme. Eh, après pas mal d'heures de live sur Isaac tout le week-end, finalement, ça va. Hein. Ben, j'ai fait des bonnes nuits, donc ça va, c'est cool. Malgré les temps de stream, j'ai fait des bonnes nuits. Et oui, je suis en forme. Tout va bien en ce moment. Tout va très bien. Pourvu que ça dure. Allez, le vieux pansement. Ou bientôt l'imote Molfez. Ouais, je vais voir. Je sais pas comment on va le nommer. Déjà, il y en a un qui traîne que j'ai mis, mais que je suis pas sûr. Il y en a un que j'ai mis en test en imote niveau 2, là, mais. Bon, personne n'a de niveau 2, de toute façon, personne n'utilisera, mais. Il y a des trucs, faudrait que je teste. Des nouveaux emotes par rapport à ceux qui sont pas trop utilisés, machin. C'est difficile à voir exactement. C'est cool.
Ouais. Aïe. Oh, j'aime pas trop cette salle. Oh, si l'araignée m'explose à la gueule, on va pas rigoler. Enfin, elle explose dans le rocher. Ah, vous savez. Non, mais... Ouais, mais non. Ah, voilà. Ah. Allez, viens. Allez, viens. Bon joué, gamin. Oh, tu me dépêchais un peu, j'avais les femmes de la vulnérabilité. L'étoile, je crois en elle. C'est le moment où faut pas avoir une croix directionnelle qui déconne. Enfin, un stick en l'occurrence, je joue pas à la croix, je joue au stick. Alors, prendre la batterie, la pile électrique. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit au bonheur dans une item room? Un cœur bigou. Ben, j'ai envie de vous dire non. Ça marche pas? Doesn't grant contact damage. Ah oui. Pas de dommage de contact avec cet objet. Papier, l'acte de divorce. Très bien. Pas dans le Devil Deal. Ouais, bah c'est bien. Ça fait des dégâts. J'en avais besoin. Parfait. Ça démarre pas si mal. On va aller vers le shop direct. Ça au moins. Voilà, s'il n'y a pas la secret. Il y a vraiment des salles. T'es sûr qu'il y a la secret. C'est incroyable. Tu vois la salle, tu te dis là, s'il n'y a pas la secret, je me coupe une couille. Non, non, on fait pas ça, mais. Mais on en est presque là, hein. Oui, j'ai utilisé toutes mes clés sur pour des coffres nuls. Mais la pire idée que j'ai eue. Hein. Là, je peux aller dans l'item room avec l'étoile. On voulait aller au shop avant. Il y a un rocher marqué là-bas.
Ah, presque. Ah bah, lave-la, ma clé. La pioche... bah non, non, non... Je vais garder le bouquin, quand même. Alors ça non, Glass of Shard là, Shard of Glass là. C'est trop les problèmes en fait. Bon, si tu prends un dégât, t'as 25% de chance de drop un recours rouge, mais tu saignes. Je veux dire que tu tires plein de trucs, mais le problème c'est que tu prends toutes les 20 secondes un demi-cœur rouge de dégâts. Charge. Pas cool. C'est pas cool. Pas loin. On dirait que le jeu a envie que je l'utilise. La maison Dieu et l'as de cœur. On va prendre la maison Dieu. Un boss qui va peut-être passer un sale quart d'heure. Ça dépend du boss. Sale, c'est vrai. Reste un. Deux même. Trois même. Oh là là. Quel enfer. Reste encore un. J'ai failli perdre mon cœur d'os. Je tente des trucs. Adieu. Oh le salaud. Oh il s'est barré juste avant. Oh je suis deg. Bien joué. Bien joué le boss. Ça l'a pas empêché de mourir comme un nul, mais bien joué quand même à lui. Il s'est pas pris les bombes.
Fléau de dédale. Cœur bleu de plus. On est bien au niveau vie là. C'est cool. Putain. Je regardais le rouge, j'ai pas vu le vert. On commence pas à faire des araignées. Bonhomme de neige, je voudrais un bonhomme de neige. Des objets qui sont pas inintéressants en vrai. Mais où là? Catacombe 2. Les Barbie Bombs. Faut faire gaffe quand même. Tous dans un feu. Pourquoi pas. Pas surprendre, mais pourquoi pas. Eh, un Magic Mushroom, mais si j'y arrivais. Ouais, hein. Il va y avoir la cigarette en même temps. Ah, le fléau de dédale est actif. Où est-ce qu'on pourrait genre essayer de trigger le fléau de dédale pour aller dans la challenge room? Ça se faisait à l'époque. À une époque, ça se faisait. Le problème, c'est, je sais pas s'il faut pas aller dans le sens de l'entrée de la salle. Salut, Annalé. Sûr, à mon avis, ça va pas marcher. Ouais, ça va aller plutôt vers celle-là, du coup. Il y a un monde où c'est possible. Visual rooms appear in the Wombat Corpse. Ah oui. Ah bah oui. Pas pour tout de suite. Lockdown.
Je teste. Ah, ça change la salle, mais en soi... Teste des trucs. Ça change les salles, mais... Jamais ça s'ouvre. 78,8%. Oh, quand même. Merde. Ah, on n'a pas de familier, c'est dommage. Ah, on a un familier. C'est moins dommage. Brother Bobby, je suis désolé pour toi, mon pote, mais tu vas finir à l'hôtel sacrificiel, hein. Alors, on va d'abord... Faut pas que j'oublie qu'il y a l'hôtel sacrificiel, mais on va faire d'abord l'étage en entier. On sait jamais, il suffit que dans le début de l'île, il y ait de la merde, genre un Ghost Baby. Du Pretty Fly, sans transforme 2, là j'en ai qu'un. Donc. Bien. Une jolie mouche. Fly, une jolie mouche. Les noms en anglais. Pour l'habitude. C'est embêtant qu'il soit derrière les pics, hein. La lune. Ouais, plus tard la lune. Le Namek, j'ai une question pour toi, toi qui connais très bien le jeu. Ah, je rigole, mais si c'est vrai, mieux que moi en tout cas. Quelles sont les chances d'apparition d'une salle Zodiac? Speed. Peut-être une colle, hein, ce que je suis en train de demander. Hein. Départ c'est genre 1%, mais si tu skips les témoins de l'étage, ça monte de genre 20%. Ah bon?
Ah ouais. En vrai, il y a des trucs sympas dans les salles Zodiac. Alors, il y a des trucs, des fois, qui soit pas faciles à utiliser, soit un peu de la merde. Mais il y a vraiment des trucs très sympas dans ces salles-là. Alors là, la run d'avant, là, sur la Daily, il y avait Luna. Luna, j'aime bien. Et c'est hyper cool, hein. J'ai déjà testé celui qui freeze aussi, c'est vachement bien. Mercurius est tellement pété en spirène qu'on l'a supprimé de la poule. C'est quoi Mercurius? C'est celui qui gèle? C'est quoi Mercurius? Je sais pas si je l'ai vu Mercurius. Ça veut dire. Ou alors c'est. J'ouvre toutes les portes. Ah mais oui c'est vrai. C'est vrai, je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une fois. Effectivement, je m'étais dit c'est vraiment pété. Trop du speedrun. Je l'ai vu une fois, mais je sais plus pourquoi. C'était peut-être dans une daily. Hein. Un truc dans le genre. Wow. C'est pas fun le boss, hein. Et ça donne de la vitesse. Sérieux? La Terra où tu tires des pierres au lieu de tes larmes. Et bien aussi, le planétarium, c'est souvent le bon plan en speedrun. Est-ce que les Stone Moon, c'est pas hyper grave en speedrun? Oui, c'est vrai. Deux objets de Guppy. Le jeu me tente. Le jeu me tente. C'est moche, hein, de faire ça. Surtout avec la queue de Guppy. Urban Dark. Salut Urban Dark. Peut-être bientôt le petit chat. Peut-être. Pas. Moi j'ai eu une notification GOG sur The Witcher 3 là. Qu'est-ce qu'il me dit? Déjà The Witcher 3 de toute façon. Pas la version complète du jeu, mais j'ai pas envie d'y rejouer. Bon. Beaucoup trop long. Hein. Adieu Brother Bobby. Rip in pieces. Bon, ça valait le coup, j'ai eu du vol et de la vitesse. Excellent. Non bah non, on va garder ça. C'est gênant hein, par contre le... Quand il y a un roman qui est écrit sur les thèmes description et que tu dois tuer des ennemis. Hein. Ouais, c'est la match next-gen, ouais. Bien sûr. J'y rejouerai pas, The Witcher. J'ai adoré le jeu, mais... C'est bon. Pas déconner. Hein. Trop long.
Bon, bah on va aller voir notre ami le vendeur à la sauvette là. Oui, bonjour. Ah. From below. From below. Oh, clap, clap, clap. Merci pour le raid, Max the Hunter. Et bonjour. J'espère que ton stream sur Magic Arena s'est bien passé. J'ai regardé un peu Magic Arena. Je me dis que j'aurais du mal à reprendre en vrai. Vraiment beaucoup de cartes que je connais plus du coup. Le nulos. C'est ça que t'as dit? Pas très bonne. Je trouve des clés. Oh mais non mais... Eh sérieux, j'avais des cœurs bleus, j'ai tout perdu. C'est moi le nulos. C'est grave, tu fais un deck potable et je cheat des adversaires sortis en fait. Ah oui bah ça... Ah... Parfait. Digoxine, parfait. La rune vierge. Bon, on verra. On verra ce qu'on en fait de cette rune vierge. Encore. Utiliser quelque part où on croit que c'est bien. En se disant c'est une perte trop. Et ça sera une Berkano. Ces touches nulles que je prends là. Mais ils sont chiants, ouais. C'est quoi leur, mais ça leur défait leur putain de mouvements nuls. Mais tu vas arrêter, ouais. Mais oh bordel. Ah mais du coup il y a 40 milliards de coffres, c'est pas pratique. Hein. C'est bien, hein, Guppy's Tale, mais non en fait. Faut des clés quoi. La rune noire. La rune noire. I found pills.
pour faire ça, mais j'ai pas le choix là. BFF, bah non. Pas foufou ce shop. Alors ça, merci la rune noire de me débarrasser de cette merde. Black rune. On voulait pas. Credit card. Oh. Les clés. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Ah ah. Sont en or. On sait jamais. Ça peut servir. Voilà. Voilà. Bon bah allez, et où là? Non. Isaac. Isaac. Raté. Raté. T'as vu, elle m'a raté tout le temps. Oh, la nulle. Salut, Srimar. Bon, du coup, on va avoir des item rooms, là. Bah oui. Et ça, c'est cool. Manque un petit quelque chose sur cette run. Il est cher, il tire pas. Ah, oh, c'est marrant ça. Salut le vieux gamer fou. Il manque un objet de cupie, oui. En vrai, oui. Dans le coffre à chaque fois, c'est ça va. Et Marty McFly. Et vous allez vous barrer avec vos tentacules nuls. Oh, comment il se protège, le con.
Ben super. Hein. Content d'avoir une item room. Oh bon bah. Quelle connerie. Avant toujours tuer les ennemis bleus en dernier. Et la base. Pour avoir le cœur bleu. Alors, est-ce qu'il y a une croix dans tout ce merdier? Bien sûr que non. Oh là, le bloc, quelle merde. Ah, il reste là, par exemple. Non mais, c'est sérieux, là? J'ai eu des villes d'île à 100% point barre. C'est abusé. Oh, c'est cool, la bague de maman. Ouais. Perd trop. Bon, la bague de maman, ça fait plaisir. En vrai, fait des dégâts. Supplémentaire. J'ai raté deux fois. Ah bah bah, impeccable ça. Oh, Brittle Bones. Excellent. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Faudra pas prendre de dégâts. Pourquoi que non, c'est pas grave, je crois maintenant. Si tu prends des dégâts sur les os de. Sur les cœurs d'os. Alors plus tes chances de déhulir, je crois. Avec Forgotten. Ah merde. Bon, oh, tant pis. Hein. On va essayer d'être bon. Hein. Solide. Solide. On va prendre ça. Perd trop. On prend ça. On prend ça. Et ben voilà, c'était bien. Credit card va me servir à rien maintenant. Là. En vrai. Arriver maintenant. Par contre, je vais peut-être faire l'étage un peu plus en entier, histoire de comment dire, de voir s'il n'y a pas des coffres avec des clés dedans, parce que ça peut m'intéresser. Vu que j'ai la clé dorée. Du
depuis Brim, hein, on est bien. Hein. De rien. Plus satané. Non, mais on rigole, hein. Arc-en-ciel. Du coup, si Brittle Bones s'active, ça va faire une explosion de brim, hein. Ou ça va faire des os quand même. Des os, pas des os. Normalement, ça devrait être des os, oui, je pense. Est légitime. Balls of steel. Des os, pas des os. Des os ou pas des os. Ah, on rigole, on rigole. Hein. Bon, voilà. Déjà, deux clés en plus. C'est cool. Prends le bide de l'arme. IPK que tes os seraient explosifs. Oh. Okay. Bon, bon, on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai 5 clés. Bon, il faudrait que j'en garde 4 pour le chest. Il y a une bibliothèque. Ça donne envie d'aller voir. Oh, les sales. Allez, on est beaucoup armes. On est full vie aussi. Accessoirement. Ça pouvait pas être par là, mais bon. J'y vais quand même, si vous savez. Qu'est-ce que c'est bien attamé, bordel. Tears down. Oh, cool. Et insane attamé, hein. Ça rien. C'est vrai que c'est quand même bien, bien, bien pété. Hein. Alors, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et ça c'est bien. Bon. Après, j'ai pas besoin de ça. Hein. Au cas où il y a un gros problème dans le chest. Normalement, non. Hein. Oh là là, la TP random impeccable. Facile. Voilà, le speedrun.
Le speedrun, la carte l'ermite qui t'envoie presque au bon endroit. Salope. Le speedrun, hein. Là, on est aussi dans le speedrun quand on voit ça, hein. Oh, je sais pas où aller, moi, du coup, merde. Ah bah si, ça va être... Ouais, bref. On va dire que c'est pas du tout par là. Ah bah tu vois ça, tu te dis c'est sûr. Et puis bah non. Merci le jeu. Putain, il y en a des coffres. Docteur. Oh bah oui, j'ai envie de prendre de super fœtus. Faut bien rigoler. Il avait pas envie. Merde. J'ai relancé un truc. Okay, j'avais oublié. Non mais c'est pas ouf comme run, hein. Arrêtez. Vous avez pas le droit de dire ça. C'est trop facile tout ça. Moi je me décarcasse pour vous, hein. Ça me fait rigoler. Hop, allez, t'es mort. Ah oui, il fait ça carrément. Oh merde. Oh putain de merde. Ah, ah bordel. Oh putain. Oh merde, j'étais pas prêt à ce que ça fasse ça, moi. Ah ouais, quand même. Putain, il est vénère le truc. C'était bien, hein.